bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Les Ivoiriens sont appelés à voter le 2 septembre dans le cadre des élections municipales et régionales. Un scrutin qui se déroulera en présence d'observateurs. Quel rôle ces derniers joueront-ils ? Élément de réponse dans cette édition. Bonne nouvelle pour les journalistes. Un programme de formation sur les finances a été lancé à Abidjan. Une formation dont Bloomberg Media Initiative Africa est à l'origine. Et à Gagnoa, les populations bénéficient d'une formation sur l'entrepreneuriat agricole en milieu rural. Ils sont sur le champ électoral pour veiller au bon déroulé du scrutin. Eux, ce sont les observateurs électoraux. Ce matin, Reine Benoît, vice-présidente de l'ONG Plateforme des Femmes pour Gagner, se rend dans ses locaux pour organiser ses équipes. Son ONG fait partie des organisations contactées par la Commission électorale indépendante pour une mission d'observation à l'occasion des élections couplées municipales et régionales du 2 septembre 2023. On a déjà des éléments qu'on va déployer sur le terrain pour faire les observations, pour être observateur. Parce que c'est vrai, dans le rôle que joue l'observateur, aujourd'hui nous sommes dans une période très très sensible. La mission d'observation est une surveillance citoyenne électorale non partisane. Le but est d'engager les citoyens dans le processus électoral, de décourager ou plutôt endiguer la fraude, d'exposer les problèmes et les irrégularités et de fournir une mesure exacte de la qualité de l'élection. Donc l'observateur en tant que personne doit être impartial. Il doit observer et en même temps apaiser. Dans le monde, ce sont plus de 200 organisations d'observation électorale citoyenne qui sont réparties dans plus de 80 pays. Elles constituent le réseau mondial d'observateurs nationaux des élections formé en 2009 par la Déclaration des principes internationaux pour l'observation et la surveillance non partisane des élections par des organisations citoyennes. 8 millions d'Ivoiriens sont attendus aux urnes le samedi 2 septembre 2023 pour renouveler ou reconduire leurs conseils communaux et régionaux. Pour ce double scrutin, ce sont 35 666 candidats qui iront à l'assaut des électeurs. La société civile appelle à la paix et à la transparence. Au niveau des communes très disputées telles que Yopougon, Cocody, Le Plateau ou encore Tiassalé et Daloa, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, la FIDOP, exhorte chacun au respect des résultats des urnes. La campagne électorale, globalement, tout s'est apaisé, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de violence, de heurte entre candidats, etc. Tout le monde a joué le jeu. Oui, quelques petits incidents, on en parle dans le rapport, mais c'est insignifiant comparé aux périodes où, avant même l'élection, il y avait déjà des blessés, des affrontements, des morts. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut que les Ivoiriens se lèvent pour voter massivement, mais surtout dans la paix. Ces élections locales se tiennent le 2 septembre 2023. Les acteurs du secteur médiatique de Côte d'Ivoire se sont réunis le jeudi 31 août au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'était lors de la cérémonie de lancement du programme de formation au journalisme financier initié par Bloomberg Media Initiative Africa. La deuxième phase de ce programme sera effectuée dans des pays francophones, particulièrement en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En partenariat avec l'Institut des sciences et techniques de la communication, la formation devrait débuter le 9 octobre au sein de l'Institut. L'enseignement doit pouvoir se spécialiser de plus en plus. C'est pour ça que par le partenariat avec Guimet, nous faisons la promotion du journalisme spécialisé. Et dans le cas présent, c'est du journalisme économique, c'est du journalisme financier. Le programme FJF offre aux journalistes une formation qui vise à renforcer les équipes de journalistes et d'analystes financiers qualifiés dans le pays. Ce travail est le fruit de plusieurs entretiens avec une centaine d'universitaires, de journalistes, de directeurs généraux d'entreprises, de groupes de médias, d'ONG. D'abord, il faut remercier l'initiative de Bloomberg, qui va permettre à nos journalistes d'aller plus en profondeur dans les problématiques de l'économie. Et vous savez, cette info, ça s'intéresse à l'information, mais s'intéresse aussi à l'économie et au développement. Et avoir des soutiens de cette qualité, c'est des choses qui sont fondamentales. La formation se tiendra sur 7 mois. Elle est organisée à 10% en présentiel, soit une séance de 2 à 3 jours par semaine et à 90% en ligne. Le programme est dispensé par des professeurs d'école de journalisme et de commerce dans les pays africains participants.
L'entrepreneuriat agricole en milieu rural, c'est le thème autour duquel les jeunes et les femmes du canton Pacolo de Gagnoa ont été sensibilisés. Dans son exposé, Coré Maï, jeune entrepreneur agricole et président de l'ONG SOS Jeunesse, était soutenu par Keïta Amadou, directeur régional du conseil EVA Palmier à Huile du Gor. Le conférencier a démontré comment il est passé du simple planteur en 2012 à l'entrepreneur agricole qu'il est aujourd'hui. La coopérative, c'est une entreprise formelle où tu dois avoir un registre de commerce, où tu dois avoir une déclaration fiscale aux impôts, où tu es reconnu et puis tes activités commencent. Quant à la présidente de l'ONG Agri Espoir Vie, marraine de cette conférence, elle a exhorté les femmes et les jeunes à saisir les opportunités que leur offre le gouvernement à travers le guichet emploi jeune basé à Gagnoa. Moi, je l'ai vu, il aurait dû être là, mais il n'est pas venu. Je l'ai vu et puis je lui ai dit, où tu t'approvisionnes pour faire tes sources? Il dit, je paye sur le marché. J'ai dit, bon, moi, je veux un partenariat avec toi, je vais dans ma sous-préfecture, je veux dire à mes parents, à mes mamans qu'on va produire aubergine, bonbon, pistache, arachide, des choses comme ça, piment, tout ça. Toi, tu payes avec nous. Au besoin, toi, il a des variétés que lui, il fait. Donc, il peut nous donner des séances. Nous, on plante, et puis quand c'est prêt, c'est lui qui l'achète. On ne donne pas à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'a pas besoin de fabriquer ça. Depuis sa création, l'ONG Agri Espoir Vie a mené de nombreuses actions de développement au profit des populations. C'est ainsi que se termine cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.